Bonjour à tous, c'est El Joselino de Old Warrior Gaming et nous sommes ensemble pour une troisième vidéo de Among the Sleep, un jeu de survival horror enfantin. Alors, on vient de traverser le salon et quelque chose est tombé dans la cuisine. Et on va continuer, hein. On va découvrir ce qui se cache par là. Alors, ça donne de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? C'est le biberon. Ok. Ouais. Il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Qu'est-ce qui a marqué? Ah oui, j'ai oublié que c'est un jeu norvégien. Bon, ça doit pas être très important, sinon il l'aurait traduit. Allez, on peut rentrer ici. Waouh! Ah d'accord, je viens de faire tomber quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Non, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Qu'est-ce que c'est? C'est une assiette? Ok, ouais. Il va falloir continuer. Ouais, mais là, je suis encore trop petit. Trop petite. Je suis une petite fille, hein, ne pas oublier. On va escalader, hein. Je crois qu'on a compris que c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas assez haut. Allez, allez. De toute manière, on a déjà escaladé tout à l'heure dans la chambre. Donc on va continuer dans le registre des conneries. Allez hop, allons-y. On va carrément monter. Non, on peut pas. Non plus. Bon. Un puzzle avec des tiroirs de cuisine, c'est pas banal. Ah, voilà. Ouais, un mixeur, des plaques, tout ça. Tout ça, toujours en sécurité. À ne pas reproduire à la maison, bien évidemment. Allez, on va ouvrir la porte. Ah. C'est trop loin. Même avec Teddy. On peut toujours balancer des trucs par terre, mais ça ne sert à rien. Bon. Je viens de sauter comme ça. Parfait, parfait. Non, on va juste prendre une chaise. En fait, je crois que je cherchais un peu midi à 14h. Ce qui est une drôle d'idée, surtout la nuit. Alors, c'est parti. Nous y sommes. Qu'y a-t-il derrière cette... Il y a quelqu'un. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un pendant un instant. On va quand même pas sortir. Ce serait pas très prudent. Non, quand même pas. On va rester dans la maison, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je. J'ai cru entendre un bruit. Non, bon. On va dire qu'il n'y a pas eu de bruit, hein. Un dessin. C'est mignon. Les bruits bizarres et les battements du cœur, c'est moins mignon. Je n'aime décidément pas ça. Un beau train. Oh! Ok.
J'allais dire, il y a un beau travail d'éclairage. Y compris d'éclair. Alors. C'est bien, il y a de plus en plus de bruits bizarres, de choses étranges. Et il fait tout noir. Alors on va prendre le Teddy, hein. On va prendre le Teddy parce que le Teddy il éclaire un peu. Ouais, c'est ça. Ah oui, il éclaire un peu. Un peu. C'est déjà. On est dans un bureau là. Une chaise. Alors il y a de la lumière là-bas. Je disais, il y a de la lumière là-bas. Je sais pas si c'est rassurant. J'éteins le Teddy pour rester inaperçu. Drôle de phrase. Allez, qu'y a-t-il derrière? Derrière, il y a une musique bizarre. On est dans le placard. Quelqu'un qui respire de l'autre côté. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a là, hein. On va explorer, hein. On va aller voir ce qu'il y a. J'ai trouvé un dessin. Bon. Bah, je crois que c'est tout, hein. Et il va falloir y aller. Il va falloir se lancer. Ah, peut-être qu'on peut voir quelque chose. Non, on voit rien. Ah bah oui, je ne peux toujours pas atteindre. Eh ben, non. Voilà. On va faire ce qu'on sait faire de mieux, hein. Escalader des étagères. Parce que si je ne me trompe, je suis un génie. Allez hop! On serait dans la chambre de maman. Oui, des tas de fringues. Beaucoup de fringues. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas là. Alors, elle n'est pas là et il y a des cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une voix qui chante au loin. Alors soit on a plein de poupées comme ça, soit celle-là a bougé. C'est peut-être un détail, hein, mais... Allez, je suis revenu. Ça veut dire que ça, c'est tout nouveau. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ici? Oh! Oh! Ok. Ok, je viens de bondir dans mon fauteuil. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouh là là. Bien,
Je pense qu'il est temps de finir cette vidéo, hein? Et on va se retrouver très bientôt pour la suite, hein? Moi, je vais aller prendre un peu l'air. Allez, ciao, à bientôt!